On avait gagné hier, donc on devait de gagner. C'est le fait de 3, donc c'est un plutôt bon gain. C'est une victoire plutôt méritée, maîtrisée, à part peut-être 20 minutes en deuxième. Méritée, je pense. Maîtrisée sur l'ensemble du match, oui. Sur la deuxième mi-temps, pas forcément sur 23, quand même, en deuxième. Mais voilà, on a concédé que même but et on a gagné 3, donc c'est pas gagné. Dans quelques semaines, il y aura Marseille-Lyon. Ça commence à vous trotter dans la tête. Avant ça, il y aura deux matchs. Ça m'arrive de marcher bien avec 5-6 points de retard, ça ne sert à rien. Donc, les deux prochains matchs seront aussi importants que le match de Lyon. C'est ça l'objectif, il sera porté le tir de Lyon à la Oui, forcément, ouais. L'objectif c'est d'être à 2-3 points de Lyon quand on le reçoit, ou même moins. J'espère leur marcher bien. Confrontation. Après, il ne faut pas oublier aussi Saint-Etienne, parce que tout le monde parle de Marseille et Lyon, mais Saint-Etienne est en train de se faufiler comme ça. S'il faut, ils vont jouer un mauvais tour à tout le monde. Donc voilà, on était cinquième avant ce match, il ne faut pas l'oublier aussi. Une belle rentrée de Gustavo ce soir, il se sent bien. Oui, enfin, il a déjà fait sa rentrée la semaine dernière. C'est vrai que ça fait deux buts en deux matchs pour lui, chose qui n'est pas forcément son rôle, mais c'est bien, il apporte de l'agressivité au milieu, il a quand même fait un bon match. Comme le coach, le staff l'avait dit, on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin et c'est bien qu'il le démontre. Et toi, tu marques aussi? Oui, ça n'a pas été un match très très facile, notamment en deuxième mi-temps où on a pas mal subi et forcément quand on est devant c'est un peu plus compliqué, mais j'ai fait le dos rond et ça m'a sauvé à la fin du match. Tu as un pire sur la frappe de Marcus Thuram quand même? Le pire non, parce que je suis persuadé qu'on aurait réattaqué après, mais c'est vrai que ça aurait été plus compliqué jusqu'à la fin après. Ouais. Le podium, c'est l'objectif de cette fin de saison? Je vous laisse le dire, je vous laisse l'écrire, nous on sait où on va aller maintenant, on garde nos objectifs à nous. Dans le vestiaire et on laisse parler. Si on dit que vous voulez aller quelque part, c'est forcément là. C'est sûr qu'on ne compte pas être en Europa League, mais je vous laisse le dire.